Eh bien, salut à tous les amis, c'est Skiltog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre Let's Play sur Gran Turismo 6. Ça fait vraiment pas mal de choses, pas mal de choses à vous dire et pas mal de temps que j'ai plus joué. Ça doit faire au moins bien 4 semaines que j'ai plus joué à ce jeu. Donc, parce que voilà, je suis parti en vacances, j'avais plus trop la tête à continuer mes séries. Donc, je vais maintenant vous expliquer une petite chose parce qu'en fait, bon, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, tout simplement, que vous pouvez aller voir, elle sera en notification. J'ai tourné un épisode et mon disque dur a tout simplement planté et cet épisode, il était dans le disque dur, donc du coup, je n'ai pas pu le récupérer et malheureusement aussi, je ne sais pas ce que j'ai fait, je sais plus l'épisode, qu'est-ce que j'avais fait dedans. J'avais fait une National B, il me semblait que j'avais fait du karting. Course de 5 minutes. Alors ça, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Enfin bon. Essayer de terminer. On va essayer de terminer. Le défi, hein. Et puis comme ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Sinon, j'espère vraiment que vous allez bien. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais laisser la première course, je vais peut-être sûrement parler parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Le programme de la semaine. Et donc, voilà. Donc, on est avec la Z403. Et voilà, voilà. Alors. C'est parti, on est toujours en manuel. Donc, je vais vous expliquer tout simplement le programme de la semaine. Donc, aujourd'hui, on est lundi, je tourne ça lundi. La vidéo devrait sortir demain, mardi. Je conduis comme un pied, ça fait trop longtemps que j'ai pu jouer. Donc, la vidéo va sortir mardi. Jeudi ou vendredi, il y aura du MW2 et samedi ou dimanche, il y aura un épisode de Fallen Kingdoms. Voilà un petit peu pour l'emploi du temps. What? Je sais pas combien de tours il y a. Hop. Allez, là je le double dans le virage. C'est parti. Oh la pute. C'est pas fini. Oh, dans le décor. Ah, oh, je me trace dans l'herbe. Oh, c'est magnifique ça. La voiture elle est toute terrain. Ça veut rien dire. Ouais, donc j'ai pas fait la mise à jour. J'ai pas fait la mise à jour tout simplement parce qu'elle est extrêmement longue et demain j'ai pas envie de tourner un épisode. Pardon, je suis trompé de vitesse. Et j'ai pas envie de tourner un épisode demain. Donc les mises à jour, ce sera pour une autre fois dès que j'ai terminé cette vidéo. Je ferai la mise à jour. Voilà. J'ai pas regardé le nombre de tours. Non, restez un, je pense. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Il n'y a pas de nombre de tours. Donc, simplement, c'est en 5 minutes en fait, les courses. Il reste 2 minutes. Vas-y, on se met en vue intérieure. Thank you.
J'adore regarder le compteur. Ça m'excite. Hein. Regardez le compteur. Ah, dans le décor, fuck. Ça c'est. Je suis en vitesse 6. Bon, je fais un peu le con là, c'est pas bon. Et ouais, comme je disais, le live sur M2E2 sera en Facecom. C'est le dernier tour, d'accord. Voilà, donc petite course en 5 minutes, un petit peu longue. Je vais en refaire une cette fois-ci en musique. Et la prochaine, je crois qu'il y en a 3, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Bah, je la ferai pas parce que je pense que 3 vidéos de 5 minutes, tout simplement, voilà, pas trop intéressant d'après moi. Voilà, oh, on gagne 10 000, on a 102 000, c'est parfait, excellent. Excellent. Alors, on va quitter. Cette fois-ci, on va le faire en musique. Voilà, il y en a 3. Hein. Je regarde. Je peux pas changer de voiture, hein, c'est ça? Ouais. Bon, bah, on se laisse en musique, les amis. 5 minutes, c'est un peu long, je sais. Je pense que l'épisode va durer un petit peu plus longtemps, genre 25 ou 30 minutes. Et après, voilà. On est sur Tsukuba. Un circuit, je crois que j'ai le plus fréquenté au niveau du drift. Et c'est ce circuit où j'ai tout appris à drifter, etc. Et je crois que je vais essayer de pas faire l'erreur de drifter sur ce circuit. On se laisse en musique. Départ! C'est parti. Thank you.
Arrivé, voilà. Enfin fini. Ouais, franchement, c'est assez long les courses. Je dois le dire, c'est assez long. Mais franchement, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait trop tôt, ce mode de jeu de 5 minutes. Ils auraient dû le faire un petit peu plus tard, quand on a des voitures un petit peu meilleures. Parce que là, je trouve qu'il n'y a pas trop de challenge. Cette fois-ci, je vais utiliser la Delta. On va voir ce que ça donne. Je vais vous dire parce que je vais vous dire après parce que je vais pas filmer. Et bien, on se retrouve de tout de suite après la course. Allez, à tout de suite. Et donc, voilà les amis. Donc, j'ai gagné. C'est pas j'ai pu gagner, j'ai gagné. Franchement, c'était pas très, 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 très facile. Examen du national. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le permis. Et bah, pourquoi pas faire une petite course. Enfin, je sais même pas si c'est une course ou quoi. Donc on va être avec Elise. Alors aborder un virage de... Ok. On va un petit peu commencer ça. On va en faire deux comme ça et après on va refaire un autre truc. Vous allez voir. Mince, pardon. En fait, j'avais pas le casque sur la tête. Si vous m'entendez plus bizarrement qu'avant, c'est tout simplement normal. Alors attendez, je remets juste mon casque. Oh le mec en vidéo quoi, il remet son casque. Hop là, et mes oreillettes. Oui, parce qu'il faut que je mette des oreillettes pour écouter la course. Sinon, autrement, je peux pas brancher le casque sur le game capture. Et 2, 1, let's go. Donc, je peux pas brancher le casque sur le game capture. Merde, putain, j'étais en train de faire un autre truc. J'étais en train de passer mon casque. Je peux pas le brancher. Et 2, 1, et parler en même temps. Voilà, je galère à dire ça. Oh putain, elle est compliquée. Oh comment elle tourne mal. Oh comment elle tourne mal. Oh là là. Ah merde, j'ai fait recommencer. Fuck. Non, c'est pas grave. Oui, allez, hop, on se barre. Quitter. Hop, boum. Encore, on est à peu près à 19 minutes si je dis pas de bêtises. Hors vidéo, j'avais dit qu'il allait faire un truc hors vidéo dans la dernière vidéo de Gran Turismo 5. Je crois que j'ai dit qu'il fallait que je fasse le permis. Je vais le faire quand même en vidéo. En fin de compte. Oui, j'avais fait le karting aussi. Oui, si je me souviens, j'avais fait le karting. La théorie de la base reste la même, suivre là. D'accord. Si taillé, rejoignez l'objectif aussi vite que possible dans le contrôle sur votre vitesse. Une série de virages, mais il n'y en a qu'un virage là. Allô? Il a pas planté là parce que ça prend du temps à charger. Ah, enfin. Pardon. Oh là là, c'est lent ça. Ah voilà. 2, 1, départ. Oh ça là, elle va vite. Bonne tenue de route. Boom! Boom, bitch! Yeah, oh, wait. Non, je vais recommencer, fuck.
Yeah! Moi, je pense qu'on va quand même le faire, le permis. Ouais, on va faire ça, je sais ce qu'on va faire. On va faire donc le permis. Il nous reste normalement deux courses. On va les faire, ces deux courses, et après, on va en faire une dernière, vous allez voir. Hop! Entrée. Entrée. Ça me gratte. Swing ring, montée ring. Non, pas du tout. Allez hop, c'est parti. Nous avons une Subaru. C'est une Subaru ça? Non, sans deck, c'est une Subaru? Ah, c'est une Subaru. Oh là là, ça fait chelou. Elle est chelou là. Elle est chelou la Subaru. Ah ouais, c'est ça. Départ. Je dis départ pour mettre la piste audio avec la piste vidéo. Oh, la piste vidéo, pardon, j'étais en train de dire. C'est quoi? Cette tenue de route de merde. Moi, je vais avoir le bronzant. Oh, les vieux applaudissements. Oh. Attends. Wouh! Oh là là. Non mais cette voiture, pour rien à l'autre, elle a une tenue de route de merde. Et maintenant, on va passer à celle-là. Je pense que là, ça va être intéressant. C'est parti. Et nous allons aller sur le circuit de Apricot. Oui. Apricot. Nocturne. Les lampadaires vous aideront. Vous allez d'abord fier à vos phares. Rejoignez la ligne derrière en prenant soin de vous. Ok. Oh la voiture! Elle est trop stylée! Elle fait un de ces bruits en plus! Oh, la tenue de route. Putain, fait chier quoi, le bronze. Bon, c'est pas grave. Moi, il bon, faut d'avoir l'or ou pas. On va faire encore une dernière course. Je vous retrouve tout à l'heure, je fais une petite ellipse. Et on se retrouve tout de suite après. Ok les amis, donc on se retrouve pour une mission de course. Je sais absolument pas ce que c'est, mais ça a l'air franchement hardcore les amis. Je vous cache pas que ça a l'air hardcore. Parce que en un tour, il faut dépasser toutes les voitures. Non, c'est pas du tout ça. Si, il devrait remonter jusqu'à la voiture de tête. Ah, punaise. Eh ben. Ah, tu gagnes 2000 en plus. Non, je voulais faire un truc sympa. Puis voilà, faire un truc. Elle a l'air tellement bien. Oh la voiture de rêve. Je la bouffe la voiture. Je sais pas si tu vas en dehors de la piste. Non! Ah bah non, je le sais. J'ai heurté une voiture. Oh. Ah, le départ parfait. C'est parti, Skiltox, il est chaud. Il met pas de musique. S'il va mettre peut-être une musique de fond, il sait pas encore. Il est pas dans son logiciel de montage, mais il est sur la course. C'est parti. Il rattrape, il rattrape. Vitesse 2. Attention, le virage. Très serré. Il voit que la voiture a une très bonne stabilité de course et une tenue de route tout simplement remarquable. Attention, il a failli aller dans le décor. C'est pour ça qu'il a pas voulu y aller, sinon.
Il est mis en échec, c'est parti. Il la rattrape, il prend l'aspiration. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Prochain virage, sûrement le duel. Sûrement le duel. Et il la dépasse, c'est magnifique. Attention, le virage très compliqué. C'est dans son inspiration. Attention, le duel entre les deux voitures, c'est magnifique. Le virage, attention. Et là, c'est parti. Skittox, il met tout ce qu'il peut dans la voiture. Il est fou, Skittox. Attention, la voiture derrière prend son inspiration. C'est chaud pour Skittox là. La voiture derrière est très tenace. Elle suit Skittox. Par le pare-choc. Ah, Skittox. Oh, Skittox a failli se mettre en échec. Gros coup de pression de la part de Skittox qui a failli se mettre hors du terrain de course. Et là, c'est la ligne droite, c'est parti. Attention, la voiture derrière a rattrapé Skittox. Attention, et non, elle a pas osé rattraper. Ah, Skittox, le tête à queue, c'est moche. C'est tellement moche, Skittox, le tête à queue. Oh, c'est moche. Oh, fait chier. Bon, je vous laisse avec une petite musique, les amis. On se retrouve après la course. Je vais essayer de le battre un petit PD. Et on se retrouve tout de suite après. Enfin les amis, enfin. Je vous avoue que ça fait vraiment bien 20 minutes que j'essaye de gagner cette course. Parce que le mec, quand tu le touches, eh ben, t'es mort. Quand tu vas hors piste, t'es mort. Et puis quand il est derrière toi, il va plus vite. Alors que quand il est devant toi, il traîne un peu pour que tu le dépasses. Et puis que après quand il est que tu sois devant lui, bah, comme ça il peut tracer. Et il y avait des virages de pute, voilà, c'était vraiment compliqué. Enfin bref, je me suis vraiment bien amusé sur cet épisode, pardon. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait super plaisir. C'était Skittox, ciao, peace.